Voulez-vous bien dire où est-ce que je suis rendu? Je me croirai au ciel. Qu'est-ce que je fais avec ma propre croix sur l'épaule? En tout cas, si je suis au ciel, je suis le premier à être au courant de mon décès. Hé, hey, monsieur, pouvez-vous me dire dans quel endroit je me trouve? Mon cher ami, t'es au paradis? Paradis? Mais c'est impossible, je suis pas mort! Je sais bien que t'es pas mort. Tu dors, tu fais un songe. Tu sais ce genre de rêve dans lequel Dieu veut nous parler. Dieu veut me parler? C'est plutôt moi qui aimerais lui parler. Et ça fait des années que je porte la même croix. Je suis tanné. Je veux porter plainte. Je veux une nouvelle croix portée. Je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets rien. C'est pas moi qui décide ici. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis Simon, un des apôtres de Jésus. Mais tout le monde m'appelle Pierre. Pierre? Saint-Pierre? Le Saint-Pierre qui a connu Jésus? C'est bien moi. Le Saint-Pierre qui a failli se noyer quand il essayait de marcher sur l'eau? Celui qui s'est endormi quand Jésus lui a demandé de prier au jardin des Oliviers? Celui qui a renié Jésus avant le chant du coq? Oui, oui, c'est bien moi. Mais je me suis amélioré avec le temps. C'est un honneur pour moi. Dis-moi, est-ce que je peux déposer ma croix par terre? Je l'ai toujours trouvé pesante à porter. Puis, est-ce que je peux vous tutoyer aussi? Oui, oui, fais comme chez toi. C'est ici, d'ailleurs, que tu vas probablement passer la plus grande partie de ta vie après ta mort. Mais pourquoi es-tu pas bien nombre? Je m'attendais à te voir un habit d'époque. Parce que je m'arrive de façon un peu plus décontractée. C'est mes journées de vacances. Mais, regarde, moi Jésus qui arrive. Tu vois le faire part de tes plaies dans ta salle? Jésus? Vous êtes un vrai Jésus? Est-ce que je peux vous tutoyer, vous aussi? Bien sûr, mon ami. Bienvenue chez toi! Chez moi? Oh, 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 faut pas devancer les choses. Je suis seulement de passage. À cause d'un songe, quand je suis en train de faire. Serais-tu en congé aussi? Ben, tu peux t'imaginer que je ne prends jamais de congé. Je porte ces vêtements parce que mon aube était vraiment usée. Après 2000 ans, le tissu commençait à s'effilocher un peu. Mais parlons-toi! J'ai cru t'entendre dire que tu avais une plainte à formuler. Si tu veux, je t'écoute. J'ai tout mon temps. Oui, Jésus. Ça fait des années que je porte la même croix. La croix de ma vie. De mes moments difficiles. Mais j'aimerais bien passer à autre chose. Il me semble que je mérite mieux. Je suis une bonne personne. Jésus, pourrais-tu me fabriquer une croix qui me rendrait plus heureux? Écoute. Dans un songe, on peut faire bien des choses. Si tu veux, je te fais une offre. Toute personne qui entre au paradis dépose enfin leur croix pour vivre un bonheur éternel. J'ai donc ici plein de croix qui me sont inutiles. Si tu veux, Pierre va porter ta croix dans l'entrepôt des croix inutiles. Tu le suivras et tu prendras tout ton temps pour te choisir une nouvelle croix. Mais c'est fantastique, Jésus! Merci! Merci beaucoup. Il me semble enfin que ma vie va prendre un nouveau tournant. Saint-Pierre, peux-tu ramasser ma croix par terre? Et je vais te suivre jusqu'à l'entrepôt des croix. Allez-y, mon ami. Je suis jamais capable d'arriver.
Alors, vous ne serez pas en trouver une. Pierre, m'aimes-tu? Ben oui, Jésus, je t'aime. Je t'aime.